Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Les championnats d'Europe se sont déroulés la semaine dernière et les Français ont tout raflé. Deux d'entre eux sont parmi nous, deux médaillés d'or de champion d'Europe. La première, c'est Mathilde à Schoenbrenner. Ne vous fiez pas à son visage d'ange, c'est une tigresse à l'intérieur. Bonsoir Mathilde, ça va ? Moi aussi. En forme ? En forme. On a également à côté d'elle une force de la nature. Il est passé du judo à haut niveau au MMA à haut niveau. Bref, c'est un couteau suisse des arts martiaux. Nel Ariano, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Une autre force de la nature, à ma droite, c'est Sébastien Love. Non, non, vraiment, je te chambre pas, Sébastien. Bonsoir, Lucie, bonsoir. On va tout de suite faire le tour de l'actualité avec toi, Sébastien, c'est parti. Eh bien, ça commence. Ça va commencer par un coup de gueule, Lucie. C'est vrai. Ça commence par un coup de gueule, vis-à-vis de l'UFC. Alors de l'UFC, de Dana White ou de Mark Zuckerberg. L'UFC a privatisé donc l'UFC Vegas 61, ou plutôt Mark Zuckerberg a privatisé l'UFC, sachant que ça avait été démenti par Dana White lui-même quelques jours auparavant. Et là, on s'est senti un petit peu floué, pour ne pas dire, employer une expression un peu plus vulgaire, mais au moins l'assumer, au moins dire oui. On privatise pour Mark Zuckerberg, point barre. Donc la carte, elle faisait pas franchement rêver. Et en fait, la seule image qu'on retiendra de cette UFC, qui restera pas dans les annales, c'est la tête de l'épouse de Mark Zuckerberg pendant les combats, qui se cachait les yeux devant chaque praline envoyée par les combattants. Et là, je pense que Mark Zuckerberg n'a pas marqué de point vis-à-vis de son épouse. Il lui avait promis une soirée de rêve. Chérie, ce soir, je te fais rêver. Je l'emmène à l'UFC. Et là, pour le coup, quand il est rentré, il a dû dormir dans son canapé de 30 mètres carrés. Mais en tout cas, elle aurait préféré qu'il privatise le Lido ou l'Aqua Boulevard. Ça, c'est une certitude. Alors là, on le voit s'entraîner. En fait, il faut savoir qu'il est fan de MMA, Mark Zuckerberg. Donc, il s'entraîne. Il avait envie de voir un petit peu de show. On n'a pas la preuve que ça a été privatisé. Mais en tout cas, quand il vient, on sait qu'on évacue le public. Pas de famille. Ouais, c'est ça. Pas d'amis. Pas de. Pas de public, pas ça d'entourage. Résonnait. Donc, on avait l'impression de se retrouver un petit peu quand il y avait les restrictions dues au Covid. On entendait les coups résonner dans la salle. Donc, non, c'est pas digne d'un UFC. Et. Privatiser un événement comme ça, non. Enfin, voilà. C'est ton coup de gueule. Ouais, c'est mon coup de gueule. Ouais, on a compris, ça t'a. Voilà, ça m'a énervé. Est-ce que t'as des coups de cœur quand même ? Oui, les coups de cœur, bien sûr que j'en ai. Ils sont devant moi, les coups de cœur. Ils sont là. Mais voilà, c'est nos combattants français qui ont brillé donc, à ces championnats d'Europe, qui ont fait vraiment briller la France. 9 combattants français. 5 médailles, c'est magnifique, dont 3 médailles en or, 2 en bronze. Donc ils sont là, merci de nous avoir fait rêver. On vous a suivi, vous êtes la relève du MMA français. C'est un honneur de vous avoir. Vous êtes mon coup de cœur. Ouais. Et bien justement, on a le head coach de cette équipe de France qui a brillé. On ne peut rien faire sans un bon head coach et il est là justement, Johnny Frachet. Johnny, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, Lucie. Alors Johnny, c'est la première fois de l'histoire que l'équipe de France ramène autant de médailles. Comment on explique ça ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi cette année, vous avez tout explosé ? Alors, ce qui a fait la différence, déjà, c'est le travail fait en club de chacun des combattants. Parce qu'il y a un gros niveau maintenant en France et beaucoup de qualité de la part des encadrants et des combattants. Et puis aussi la cohésion et la structure aussi qu'on a pu mettre en place au sein de cette équipe qui a fait que chaque jour, ils avaient leur stratégie, ils pouvaient récupérer, etc. avec les deux coachs de l'équipe, donc Nicolas Hutt et Christophe Daffreville. Et puis aussi, surtout la détermination de nos combattants et leur talent naturel. Je pense que c'est ça qui a fait la différence sur ces championnats d'Europe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect peut-être game plan, tactique ? Alors, si, parce qu'en fait, le responsable national de la FMMAF, Lionel Brézéfin, lors des championnats du monde, nous avait mis en place une manière de travailler. À chaque fois, la veille des combats, on retravaille les stratégies, on étudie les combattants, les adversaires du lendemain pour chaque combattant. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On étudiait ça, puis après on les entraînait juste après chaque combattant pour leur installer leur présenter leur stratégie. Le lendemain, ils pouvaient l'appliquer au mieux. Et donc, je pense que cette méthode a porté ses fruits et on l'a vu lors de ces championnats d'Europe. Alors Nel, tout à l'heure en off, tu nous disais que vous aviez eu un gros briefing au niveau de l'arbitrage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé concrètement ? Oui, ça nous a beaucoup aidé. L'arbitre officiel qui représentait du coup l'équipe de France, Loïc Porra, nous a fait un briefing qui a duré à peu près une demi-heure où il nous a vraiment expliqué les règles et enfin ce qu'on devait rechercher pour obtenir la victoire sur nos adversaires, en tout cas sur cet événement, et ce qui était privilégié par les juges du coup. Donc c'est un atout d'être briefé à ce sujet-là. Donc comment gagner la science quoi, pour gagner un combat. On a vu le classement européen, l'Ukraine est devant vous, cette deuxième place, comment on l'explique ?
Cette deuxième place, alors déjà, il faut savoir que l'Ukraine a ramené plus de 50 athlètes au championnat d'Europe et 100 au championnat du monde au dernier. Au dernier classement, ils étaient septième mondialement et là, ils sont premiers au niveau européen. On peut les féliciter de ouf déjà parce que bah, c'est avec ce qui se passe en Ukraine, bah, qu'ils soient là, c'est vraiment incroyable. Par contre, on peut dire aussi, c'est pas un côté chauvin, c'est que la France, avec 9 athlètes, a le rapport nombre de combattants présentés pour le nombre de médailles d'or le plus haut de l'Europe. Et donc, on remonte dans les classements. C'est dingue. Et puis, cette deuxième place, bah, c'est le résultat du travail que j'ai pu expliquer juste avant, quoi. Pour quelle raison vous étiez moins nombreux que l'Ukraine? Vous n'aviez pas le droit de ramener deux athlètes comme eux par catégorie? Alors, en fait, cette autorisation, elle est liée à une règle qui vient de l'IMAR, c'est les nations dominantes peuvent ramener apparemment plus de combattants. Donc, c'est à confirmer, parce que ça, c'est ce que les officiels m'ont dit, mais maintenant, c'est à confirmer. Mais si c'est vrai, ben, maintenant, on est dans les nations montantes, puisqu'on est dans le top 5, et je pense qu'on va pouvoir ramener plus d'athlètes lors des prochaines échéances IMAF. Mais c'est pas un peu curieux cette règle, c'est-à-dire qu'en termes d'équité, plus t'es fort, plus tu peux être fort. Donc plus Bah, t'es c'est fort, plus ça. on te permet d'être fort en fait. C'est ça en fait. Je sais pas comment ça s'explique. Effectivement, ça favorise un petit peu les nations qui ont tout pour ramener des combattants forts, ou alors que le gouvernement ou la fédération aide à envoyer beaucoup de combattants. Donc ouais, je sais pas comment ça s'explique auprès de l'IMAF. Quel est ton bilan au niveau de ce championnat d'Europe? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette expérience? Bah, que le MMA français, déjà, il est fort, que les gens n'ont plus forcément besoin d'aller dans les autres pays pour se préparer et tout. On a vraiment une typologie, un style français qui fait qui fait ses preuves. Deuxièmement, il va falloir compter sur nous sur les prochaines compétitions. Et voilà, là, on est vraiment dans l'ère du MMA moderne. C'est plus une opposition de style, c'est du MMA. C'est un style à part et la France l'a bien intégré et a même personnalisé avec un style particulier, que ce soit les encadrants, les combattants, on est prêt pour être sur les podiums. Des anecdotes drôles au sujet de nos deux combattants ici sur le plateau. Drôles ou intéressantes? Sors pas les Anecdote. dossiers, Johnny. Pas les dossiers, on a Non, dit. non, non, pas la boîte noire. La boîte noire de la RS, ça reste là-bas. Mais première anecdote, bah, c'est les vols planés que Nel fait à ses adversaires. À chaque fois, toute la salle se retourne quand il tombe par terre, parce que comme il vient du judo, il leur met des boîtes. Et donc ça, je trouve que c'est assez ouf. Lui, il ne le voit pas, mais nous, on le voit quand on est dans la salle. Et la deuxième petite anecdote, c'est Mathilde. Donc, bah, faut pas s'y tromper. À chaque fois, je lui disais, aujourd'hui, on va en enfer. Aujourd'hui, on y va. Comme ça la réveille, ça l'active et tout. Moi, j'ai un coaching assez émotionnel pour booster les combattants. Et elle perd un premier round dans le deuxième combat. Et le début du deuxième round, dans ce combat qu'elle perd, du coup, sur le premier round, elle baisse la tête, elle est assise par terre comme ça, et elle me fait avec la voix de l'exorciste. Ok, maintenant, on va en enfer. Et c'est elle qui m'a répété. Donc, ces deux combattants-là et tous les gars de l'équipe de France, enfin, tous les gars et les filles, parce qu'il y avait Delphine qui est là aussi, qui est une combattante exceptionnelle, ils ont une personnalité vraiment particulière. J'aurais 1000 anecdotes à raconter sur eux. L'équipe qui a été présente sur ce championnat d'Europe, ce sera la même au championnat du monde ou ça peut encore être rejoué, ça, les sélections à ce niveau-là, ou non, ils ont confirmé leur place? Alors, peut-être qu'on enverra d'autres personnes au championnat du monde en complément, c'est-à-dire d'autres personnes, mais elle sera principalement composée, l'équipe sera principalement composée de l'équipe que vous avez vue au championnat d'Europe. Et quand aura lieu le championnat du monde, le prochain? Championnat du monde, il n'y a pas eu encore de date officielle, mais apparemment, c'est courant janvier-février 2023. Et les lieux, pour l'instant, sont encore tenus discrets, on va dire. Et vous avez déjà, j'imagine, une programmation d'entraînement des regroupements équipe de France pour justement aller chercher l'or au monde? Ouais, alors on va démultiplier les rassemblements en utilisant toutes les données qu'on a pu avoir lors des championnats d'Europe, championnats du monde et des derniers rassemblements. Voilà, tout est chapeauté par Lionel Brézéfin et les entraîneurs de l'équipe nationale et moi. Et du coup, on va essayer de spécifier tout ça et ramener encore plus de résultats pour ces prochains championnats du monde. Eh ben on va suivre tout ça avec attention. Où est-ce que tu es, Johnny, là? Tu es en Italie encore. Tu es resté là-bas? Ouais, non, je suis revenu, je suis reparti parce qu'à côté de ça, bah, je travaille au NR Fight et donc je coach des combattants professionnels et amateurs et des loisirs. Mais là, j'accompagne Morgan Charrière pour son retour, là, comme on peut voir sur l'affiche au Cage Warrior. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, son adversaire n'a pas fait le poids.
Il est à plus de 2 kilos au-dessus. Et donc, normalement, il y a de fortes chances que le combat ne se fasse pas. Oh là là. Alors, non, alors ça, c'est horrible. Enfin, et comment... Alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait le poids et il ne veut pas le faire le poids et Morgan n'accepte pas le combat? Alors, pour les gens qui regardent maintenant, c'est comme des Formule 1, les combattants. On ne peut pas laisser un avantage à l'adversaire, surtout à ce niveau-là et surtout sur un retour de Morgan. Donc, nous, on prend zéro risque. Et ce qu'on veut, c'est faire une performance, tout jouer au détail et au millimètre. Et son adversaire arrive à plus de 2 kilos au-dessus de la catégorie. Il ne veut pas perdre le poids, il ne veut pas faire de régime ou de déshydratation. Et du coup, il y a de fortes chances que le combat ne se fasse pas. Ouais, surtout qu'il risque de reprendre au moins 6 ou 7 kilos le jour du combat, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y a des pénalités dans ce cas de figure? Enfin, on ne peut pas le laisser faire. Tout le monde perd son temps et son argent, là, en fait. Effectivement, surtout que Morgan a une grosse fanbase. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Du coup, pas mal de gens se sont déplacés pour ça. C'est un événement et tout. Les conséquences de bord sont assez grandes pour plein de gens. Je ne connais pas la politique du Cage Warrior à ce sujet-là quand il y a quand un combattant ne fait pas le poids. Mais je pense qu'il va y avoir des conséquences pour ce combattant, effectivement. Non, mais 2 kilos, ça se perd. 2 kilos. Après, il n'a pas l'air d'avoir envie de ce que voilà, nous dit Johnny. Ouais. Alors, il y a une autre combattante, Awaso, qui fait partie de l'escouade française. Comment se sent-elle? Elle a passé la pesée, tout va bien, son combat va avoir lieu? Ouais, elle a fait son petit cutting hier, léger. Elle a fait un seul bain et un passage sous les couvertures et elle a fait le poids ce matin. Du coup, elle est très très bien, elle est en forme, elle est en train de réhydrater, manger, et puis elle est détendue, un petit peu nerveuse pour ce passage-là au Cage Warrior, mais c'est normal, c'est ce qui va permettre qu'elle soit performante. Elle a fait un très beau show lors de la pesée. Je pense que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux du Cage Warrior. Et puis, faut lui envoyer un maximum de force parce qu'elle en a besoin pour ce combat. C'est une belle échéance pour elle. Et puis, c'est une petite qui est archi motivée, déterminée. Et je pense qu'elle peut aller vraiment loin. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va suivre tout ça de près. On espère que Morgan a quand même gardé le moral par rapport à ça. Ouais. Bon, à voir, hein. On n'est pas au bout de nos surprises, on ne sait-on jamais, peut-être. Oui, peut-être qu'il va se décider à perdre du poids. Bon, en tout cas, merci hein, pour toutes ces infos. Johnny, merci pour ton temps, ta disponibilité. On sait que tu es overbooké en ce moment. Donc, merci de nous avoir accordé ton temps. Nous, on va passer le relais à tes deux champions. Ils ont terrassé l'Europe entière la semaine dernière et ils sont avec nous. Mathilde, Nel, comment vous vous sentez? Super. Super. Oui. Sur un petit nuage? Ouais, encore un peu quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça ressemble à quoi? Le sentiment d'être champion d'Europe, ça ressemble à quoi? Travail accompli surtout. C'est vrai. Ouais. Et toi, Mathilde? Pareil, concrétisation de beaucoup de choses. En même temps, on pense déjà à la suite et c'est une étape, mais c'est qu'une étape. On pense vraiment à la suite, maintenant, il faut confirmer. C'est vrai, là, vous êtes déjà pressé d'y retourner? Ouais. Vous pensez au circuit pro ou encore, non, c'est encore un peu tôt, on va continuer un peu chez les amateurs ou là, ça y est, focus, ok, je suis champion d'Europe. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux être champion du monde, mais est-ce que je passe pro ou je reste en amateur? On y pense, mais pas pour tout de suite, pas sur le court terme, pas du tout. Ouais. Maintenant, notre nouvelle génération de combattants, on est très construit et on sait qu'on a besoin d'un maximum d'expérience avant de passer pro. Ça ne sert à rien de passer pro trop tôt. Donc là, on va continuer à emmagasiner un maximum d'expérience. On a eu un titre de champion d'Europe, mais c'est un seul titre. On a encore plein d'autres à aller chercher. Mmh. Encore plein d'autres compétitions internationales. Qu'est-ce que j'aime ce genre de discours. Non mais c'est là que tu vois que le MMA a franchement évolué. Parce qu'il y a encore 5 ans de ça, on était pressé de passer professionnel. À deux combats, c'était je veux l'UFC. C'est ça. UFC, non mais on manquait clairement de lucidité. Voilà, mais en même temps, ça épouse l'évolution du MMA en général. Moi j'ai une question. Enchaîner les combats tous les jours, comme ça, gérer la pression, gérer le poids, gérer les blessures. Comment vous l'avez vécu? Toi Nel, j'imagine que tu es habitué, c'est presque facile parce que tu enchaînes les combats tous les jours en judo parce que tu viens du judo, on va en parler. Mathilde, toi, tous les jours, assurée comme ça, c'était pas trop difficile? Non, ça va, on se remet vite dans le bain. Au championnat de France, on avait deux combats la même journée. Ouais. Donc au final, là, on est déjà sur du mieux d'avoir... Tu préfères ce format-là? Je préfère ce format d'un combat par un jour. Combat par jour. Ouais. Et toi, Nel? Moi, je l'ai trouvé par rapport au judo d'où je viens, je trouve ça quand même assez épuisant nerveusement. C'est vrai, ouais, c'est ça, hein, la concentration tous les jours. Il y a une victoire, il y a beaucoup de félicitations, on va dire, sur un jour. Et le jour d'après, en fait, il faut retourner. Ouais, tu ne peux pas te reposer, en fait. Au judo, tu peux enchaîner 7 combats maximum, je crois, dans une journée. Dans une journée, ouais. Donc là, tu fais un combat par jour et tu préfères enchaîner 7 combats par jour au judo plutôt qu'un un non, par jour. Après, moi, je suis différent. J'aime bien la tension de... tu repars te coucher, demain, c'est reparti à la guerre et ouais. Tout. Donc, le judo, c'est une journée, c'est fini. Ouais. Après, c'est parti. Mais là, tu as une journée.
tu as le temps de, on va dire, de gérer tes émotions, de sortir de ta bulle. Mais après, il faut retourner dans sa bulle parce que, on va dire, il y a une semaine à tirer, quoi. Au niveau des pensées énergétiques, en judo, il y a beaucoup de temps mort, en fait, pendant le combat. Si tu dois comparer le MMA et le judo. Bah, je dirais que c'est plus lié le MMA. Du coup, j'ai dû aussi faire un peu cette transition aussi où dès qu'il y a un moment fort, on va dire, où tu fais une chute, enfin, je chute un adversaire, je ne dois pas m'arrêter. Il y a une continuité, il n'y a pas d'arbitre qui viendra stopper le truc. Donc ça, c'était aussi un truc dans lequel j'ai dû m'habituer. Alors, est-ce que vous avez trouvé des valeurs refuges pour vous reposer? Est-ce qu'il y a des endroits, une zone, soit en déplacement, soit en bloquant le combat? Est-ce qu'il y a un endroit où vous arrivez à vous reposer, à récupérer un peu pendant le combat? C'est difficile. J'aimerais bien dire le cage control, mais non, c'est très épuisant. Hein, ouais. C'est super épuisant. Et toi, Mathilde? Bah, faut éviter de se reposer parce que si on pense trop à la suite, c'est-à-dire si on se dit je vais combattre tous les jours donc je me repose, mais si on y pense trop, si on se repose trop, on peut perdre ce combat et en fait il n'y aura même plus de suite. Cette lucidité, vous l'avez pendant le combat. Moi je suis étonné parce que c'est des amateurs. C'est normalement, cette lucidité, on l'a en professionnel. Vous l'avez déjà. Et puis après, vous dire dans la cage, il faut que je gère, c'est bien, je trouve, c'est incroyable à ce niveau-là. Alors Mathilde, toi, tu étais karatékate, donc on a vraiment deux couteaux suisses là, des arts martiaux en fait. Tu étais karatékate à un niveau national, tu n'as jamais pris le titre au niveau national, mais tu avais quand même un petit niveau de compétition sympathique. Et avec le MMA, on a l'impression que tu as passé un nouveau cap. La preuve, tu es devenue championne d'Europe. Alors est-ce que c'est une revanche sur la vie ou rien à voir? C'est juste que tu as trouvé ton terrain de jeu? Ouais, je pense que j'ai trouvé le sport qui me correspond le plus. En karaté, j'avais pas vraiment un niveau national. J'avais des participations au championnat de France, mais j'ai jamais performé là-bas. Je pense qu'au karaté, il faut avoir un profil d'athlète très similaire, être très très rapide, explosif. Au MMA, finalement, il y a beaucoup plus de manières différentes d'être champion. Il y aura des combattants qui seront très rapides, explosifs aussi. D'autres qui seront beaucoup plus posés, beaucoup plus endurants, beaucoup plus stratégiques. Il y a vraiment plein de façons d'être un champion MMA, plein d'ingrédients différents. Donc ça répond plus à tes besoins? Ça répond plus à mes ressources, à mes atouts. Et voilà. Tes atouts qui sont? Moi, c'est plus la discipline, le travail qu'un talent pur de discipline, de vitesse ou d'explosivité. Et il paraît que. Surtout, aller en enfer. il paraît que tu dors carrément au dojo. Enfin, on appelle pas ça un dojo, mais il paraît que tu dors là-bas, quoi. Donc, tu es là-bas du matin au soir. À la musique de l'exorciste dans les oreilles. comme il chambre. Donc, Johnny, c'est le coach de l'équipe de France. Mais en fait, toi, Johnny, tu le connaissais avant. C'était ton coach personnel, avant même qu'il intègre la Fédération française de MMA. Donc, c'est plutôt cool d'avoir son coach avec soi là, à l'international. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette rencontre? Parce que je l'ai trouvé drôle. Tu me l'as raconté un peu en off. Je la trouve drôle. Donc, moi, le MMA, en fait, c'était pas du tout un projet construit que j'avais vu ce sport à la télé ou quoi, que je voulais en faire. J'avais, au contraire, pas spécialement envie d'en faire après avoir vu des combats de l'UFC à la télé. Mais je m'étais inscrite dans une salle où je faisais un peu de boxe comme ça en loisir. Et un jour, je me suis trompée de... Il y avait le cours de boxe et de MMA sur le même tatami. Je me suis trompée de cours, donc j'ai rejoint le cours de MMA. C'était trop tard pour quitter le... une fois que j'avais commencé, je ne pouvais plus partir. Donc j'ai fait le cours et au final, j'ai adoré. C'était Johnny le prof. J'ai adoré comment il parlait, la pédagogie. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde de techniques, que tout était hyper précis, tout avait un sens. Pourquoi on tient le poignet de telle façon? Pourquoi on fait ça? Tout était vraiment expliqué. Et c'est l'aspect intellectuel qui t'a séduit finalement. Ça avait du sens, si je comprends bien. C'est ça. D'accord. J'ai aussi vu que, par exemple, il y a des personnes qui peuvent s'entraîner depuis 10-15 ans et continuent d'apprendre. Ça, pour le karaté, j'ai l'impression qu'il y avait un plafond sans limite. Et justement, regarde, on a eu la réaction de Johnny juste après l'une de tes victoires. Vraiment drôle. On voit son côté très passionné. Regardez. Regarde. Tension. Et là. Et. Bim! Voilà. Johnny, je ne sais pas s'il est encore avec nous, s'il regarde l'émission, mais en tout cas, tu nous fais rêver, Johnny. Alors, on va revivre ce combat ensemble, enfin ces combats, on va revoir tout ton parcours en highlight. C'est Lucien Jahan qui l'a monté pour toi, regarde. There we go.
top position, Ashton Brenner. Or Ashton Brenner, trying to sneak the arm. Chip. Underneath the nose, he's going to look at the nose into the sky to find the up underneath the chip. Yeah, that's the problem. Back to get secure the position. Oh, there we go. There we go. Matfield Ashton Brenner bites. Beautiful MMA jiu-jitsu there, D. Très très solide Mathilde. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est ta finale. On voit l'Ukrainienne qui te saute littéralement à la gorge et tu gardes ton sang-froid et ça finit par se retourner contre elle. C'est incroyable. Et ça tu l'avais déjà fait au championnat de France de mémoire. Qu'est-ce que tu ressens au moment où elle te saute à la gorge comme ça? Qu'est-ce que tu ressens? Pas grand-chose, je sais. C'est vrai. Moi, pas du tout. Je pourrais pas expliquer. Je reste concentrée dans mon combat. C'est vrai. Et j'essaie de me rappeler que perdre un round c'est rien en fait. Il faut vraiment tenir tout le combat et même si elle gagne le premier round. Bah, il reste deux rounds derrière et ça veut vraiment... Ouais, donc tu as une constance mentale en fait. Mmh. Et ça, c'est la clé. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est impressionnant de retrouver ça chez les amateurs, cette lucidité. Et pour une femme. Et pour une femme, parce que nous, les femmes, on est super émotionnelles. Quand même. Moi, elle me bluffe, hein, vraiment. Ouais, mais c'est impressionnant, la maîtrise mentale est impressionnante. Et est-ce que tu as quand même ressenti un peu de difficulté sur ton parcours ou t'as vraiment été dans le flow complet du début jusqu'à la fin? Il y a eu des rounds compliqués, des rounds où j'ai pris beaucoup de coups, mais... On m'a dit on va en enfer, donc cette phrase, ouais, prête mentalement. Cette phrase elle me rappelle que j'en ai encore sous le pied et que je peux encore donner plus pendant le combat. Après, c'est impressionnant. Il faut être honnête, la maquilleuse a fait du très bon travail. Parce qu'elle est arrivée avec un petit coca, mais on ne le voit pas. Alors on va passer à toi Nel, parce que toi aussi tu nous as impressionné. Avant d'être champion de MMA, tu étais champion de judo, champion de France, c'est bien ça? Champion de France et junior, oui. Et donc toi tu as connu le classique, c'est-à-dire que tu as fait le sport études à Orléans. Tu as été à l'INSEP, c'est bien ça? L'INSEP, tu as fait tes classes, donc vraiment à très très haut niveau. Tu t'es même entraîné avec Teddy Riner, donc qui peut te faire peur après ça? Donc est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui quelqu'un qui t'impressionne? Non, après on va dire que c'est jamais vraiment quelque chose qui m'est arrivé d'avoir peur d'un adversaire. C'est vrai. Je me dis qu'au final ça reste du sport, il y a toujours des moyens de dédramatiser, on va dire, d'accord. Un match. Le judo, t'en es où, c'est fini? Le judo, c'est terminé. Ah, c'est vrai? T'as pris la décision vrai. Parce que t'étais pas encore sûr après le championnat de France. Après le championnat de France, j'étais pas encore sûr. Ouais. Mais cette année, on va dire que j'ai eu le temps de réfléchir. Et à l'aube de cette saison, je me suis dit que si je veux vraiment, en tout cas, faire ma carrière dans le MMA, il faut que je m'y mette à plein temps. Donc, voilà, c'était ça l'objet de ta réflexion. Tu t'es dit, OK, maintenant j'y vais, je mise tout. Quoi. Et c'est une discipline assez complexe et assez exigeante, donc il ne faut pas la partager du coup. Donc, C'est ça, ça demande tellement de polyvalence, c'est compliqué de jouer sur deux tableaux, clairement. Non, c'est impossible. Ouais. Je l'ai fait l'année dernière, j'étais complètement épuisé. D'accord. Donc, puis c'est pas les mêmes automatismes. Moi, je vois comme en tant qu'ancien judoka, tu es ancien judoka, tu as une boxe, j'ai pas l'impression qu'il ait fait du judo. On voit les judokas quand ils veulent boxer, c'est pas une boxe très académique. Et toi, sur les images que j'ai vues, ouais, tu as une boxe qui est... C'est assez fluide. D'ailleurs, on te surnomme Monsieur Tikeo. Parce ouais, qu'ils distribuent des Tikeo, ouais. En fait. C'est fou. Et puis, allié justement à toutes les projections que tu as faites, c'est ouais, là, c'est vrai que repasser au judo, ça serait dommage. Du coup, je le dois beaucoup à mon coach de boxe qui est à mon club, qui s'appelle Greg. Ouais. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On s'est vu peut-être deux fois par semaine à chaque fois en aparté. Et c'est du travail qui a porté ses fruits, donc on est très contents. C'est clair. Ouais. Comment la transition, elle s'est passée pour toi? C'est-à-dire qu'on dit souvent que les combattants ont les défauts de leur qualité, notamment ceux qui viennent du judo, souvent ils se font prendre le dos, enfin ce genre de choses. Comment toi, tu as vécu cette transition? T'as réussi à cerner où étaient les dangers dans ton sport? Je l'ai vécu de façon très progressive. Au début, je suis tombé dans tous les dangers liés à ma pratique du judo. Donc je me faisais prendre le dos, je ne mettais pas l'overhook, je prenais la tête et tout. Et puis au fur et à mesure, surtout, c'est le combat qui a révélé, l'intérêt de faire certaines choses et d'une certaine façon. Donc quand j'ai combattu au championnat de France, au championnat du monde, ça a révélé des erreurs qui m'ont permis de progresser. Et je l'ai vu plus comme un challenge. C'est la soif d'apprendre à chaque fois. Franchement, ouais. à chaque moment, la soif d'apprendre. Ouais. Alors justement, on va revoir tes performances au championnat d'Europe avec ce highlight de Lucien Jean. Encore vraiment, il a distribué du TKO. Et on a vu l'Ukrainien qui doutait hein, quand même face à toi. Il voulait te garder à distance, mais même à distance, toi, ton striking était tellement finalement bon
que tu as réussi à lui rouler dessus, on va dire ça comme ça. Hein. Non, mais il a été surpris, on l'a senti surpris. Ouais, c'était un gros puncher, il avait mis TKO juste avant le tour d'avant, sur son tour d'avant. Donc on avait établi un bon game plan où je devais le garder à distance, temporiser avec mon jab et aller chercher en lutte dès que l'opportunité se présentait. D'ailleurs, oui, on te voit faire de la lutte et ça, c'est vraiment bien parce qu'en judo, il y a très peu, il n'y a pas d'attaque aux jambes, sauf dans le judo très ancien. Mais toi, tu n'as pas connu cette génération-là. Non, j'ai connu la fin, mais pas. Ouais. Et donc, on te voit descendre dans les jambes assez facilement finalement. Donc ça aussi, il a du talent et dans la boxe, et dans le judo, et dans la lutte en fait. Un gros travail au club. Tu vas t'arrêter, oui. Tu deviens agaçant enfin. Et puis, il y avait une différence de poids, t'étais le plus léger de tous les combattants que t'as pris. J'étais le plus léger, j'étais le plus léger. T'étais à combien là, à 100? Et à 99. 99 kilos, ouais. Le combat le plus dur, c'était lequel? C'était le premier, je dirais, où j'ai eu un adversaire qui était beaucoup plus lourd que moi, il faisait 120 kilos du coup. Et c'était un bagarreur, donc il avançait, et plus je mettais des coups, plus il avançait, donc au final je me suis fatigué à crisper mes coups. Ah, tu boxais un mur là en fait. Et c'était mon premier combat aussi depuis un bout de temps, donc il y avait tout ce stress, la crispation qui est ressortie, le fait de ne pas démarrer le premier jour comme les autres aussi. Tu peux nous raconter les trois côtes, s'il te plaît? Les trois côtes. Bah, c'est juste à l'approche des championnats de France de l'année dernière, deux, trois semaines avant, en sparring, en faisant un takedown, je me fracture trois côtes, donc une fissurée et deux fractures du cartilage. Et du coup, bah, j'ai traîné, on va dire, cette douleur jusqu'au championnat de France. Du coup, au championnat de France, c'était impossible pour moi de lutter ou de mettre en pratique mon judo. Donc, tu as tout misé sur ta boxe ce jour-là? Ce jour-là, j'ai tout misé sur ma boxe. Mais là, au championnat du monde, tu étais bien. Tu n'avais pas de blessure, pas de bobo. Non, ça, c'était bien consolidé. Il n'y a plus la douleur. Ouais, pas d'appréhension de dire, je fasse attention, prendre un mauvais coup, j'ai les côtes fragiles. Non, on va dire qu'avec le judo, c'est le niveau. On a toujours un petit truc, une petite blessure et tout. Ouais. Bravo, en tout cas. Alors j'imagine que maintenant l'objectif c'est les championnats du monde. Il va ressembler à quoi votre planning sportif d'ici là? Peut-être des combats à caser. Hein, c'est vrai. Des combats à caser d'ici là. Toi t'aimerais en faire tous les combien au niveau de la récurrence? J'aimerais être actif tous les mois. Quoi. Ah ouais? Tous les mois pouvoir combattre si j'ai pas de blessure, ce serait vraiment bien. Et toi Mathilde? Entraînement tous les jours, deux fois par jour. C'est vrai? Ouais. Alors Mathilde, toi justement t'as un petit peu les conditions idéales. Tu travailles au Enerfight, ton club, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu fais quoi exactement? Je suis en alternance parce que j'ai repris une formation cette année, une licence TAPS, pour pouvoir enseigner le MMA et gérer des structures. Et du coup, mon club, le Enerfight, m'a embauché en alternance. C'est trop bien. Je donne principalement les cours pour les femmes et les cours pour les enfants. D'accord, tu donnes des cours avec les enfants. Donc c'est hyper bien parce qu'en fait, tu as un planning qui est adapté à ton planning sportif. En fait. Voilà, au moins, je mets toute mon énergie au même endroit. Mais j'ai l'impression, oui, c'est ça. J'ai l'impression que finalement, la casquette de coach, c'est un peu le format le plus adapté aux combattants qui se construit au départ. Parce que ça permet de moduler son planning. Donc, passer pro, c'est pas pour tout de suite, c'est ce que vous disiez en intro. Par expérience. Alors là, je vous parle de mon expérience de journaliste et de combattante. Les champions de l'IMAF, alors certains percent, ils percent vraiment bien, et d'autres retombent dans l'anonymat. Souvent, ça se joue au niveau du management et de l'encadrement. Est-ce que vous avez déjà conscience de ça? Est-ce que vous avez déjà une idée, une vision de comment vous souhaiteriez être encadré et même avec quelle organisation vous souhaiteriez vous lancer en pro avant l'UFC? Parce que j'imagine que vous allez me dire que vous voulez aller à l'UFC. Mais avant l'UFC, pour pouvoir se construire, qu'est-ce que vous aimeriez dans un scénario idéal? Elle. Elle est en train de mûrir sa réponse. Scénario idéal, je dirais déjà finir tous les combats d'expérience dont j'ai besoin en amateur, puis après me lancer en pro. Et en pro, on a de belles organisations européennes quand même qui permettent de se mettre en lumière. Je pense au Brave, je pense à l'Octagone, qui permettent de se mettre en lumière pour accéder à des organisations encore supérieures comme l'UFC. Et en France, si, il y a aussi de bonnes organisations. On a l'Hexagone MMA, on a Arès. Je pense que c'est des très bons tremplins. Donc, quand je dis européenne, j'englobe aussi les organisations françaises. Mathilde, toi, qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal? Je préfère avancer step by step. Step by step. Pas besoin de. Dans le présent. Voilà. Et justement, au niveau des organisations françaises, il y aura aussi le MMAGP ce week-end. La version pro, ce sera le samedi. Et la version amateur, ce sera le dimanche. Et la Supreme League qui va être de retour. Ça faisait bien longtemps, Sébastien. Ça faisait très longtemps que la Supreme League n'était pas sur le devant de la scène. Alors, avant, c'était avec les professionnels, mais c'était en pancrace. Et là, elle revient donc dans le format amateur en MMA. Donc, c'est une institution, la Supreme League. Donc, c'est Hatch, Stéphane Chauffourier qui organise ça. Donc, le principe, 16 équipes. 8 équipes d'Île-de-France, 8 équipes de province. Alors, pour rapidement les citer, la H Academy, le Platinum, la Chapaquette, la Free Fight Academy, le Phoenix Cross Fight, la Snake Team, la Old School et le SDCL Center sont pour l'Île-de-France. Souma Training Center, Team Climax, Chaos Squad, Gracie Allégeance, une équipe de Belgique, Tactical Fight Toulouse, Sciences du Cas et Marseille Fight Club représenteront la province. Ah oui, donc là, c'est vraiment de très, très grosses écuries. Grosses écuries, les
meilleures écuries de France et donc une de Belgique qui vont se rencontrer. Il y a eu le tirage au sort du premier tour qui a été fait. Ce sera donc la Free Fight Academy contre l'équipe belge et le Platinum, ton équipe, contre le Souma Training. Les autres tirages au sort ont été faits également. Les dates seront à préciser. Le premier tour de la Supreme League, c'est le 14 octobre. Il faut être là. Donc c'est au Cirque Bormann dans le 15e arrondissement. Donc venez parce qu'on met encore en lumière les amateurs en France et je pense que il faut le faire parce que là, au vu des résultats du championnat d'Europe, là je pense que toute la lumière doit être mise sur les amateurs, c'est la relève du MMA hexagonal. Combien de combattants par équipe ? Donc ils sont les combattants, c'est 6 combattants par équipe, donc voilà, 6 combattants par équipe qui vont faire donc ce spectacle, différentes catégories de poids représentées. Et en plusieurs étapes du coup, j'imagine. Ouais, il y a plusieurs étapes. Donc là, pour le moment, il va y avoir 4 tours. Ouais. Pour le moment, la seule date déterminée, c'est le 14 octobre. D'accord. Après, on aura les dates, on vous les communiquera bien évidemment. Donc c'est 8 combattants par exemple, 8 combattants par équipe. Ok, et eh bien écoutez, le rendez-vous est pris et c'est déjà la fin de cette émission. Vous avez vu, ça passe vite, hein. Ça passe super vite, mais on a une grille de programme à respecter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir. On va vous suivre pour le championnat du monde. J'aimerais bien même venir avec vous, pourquoi pas faire un documentaire. Non mais la fille qui croque, je veux croquer partout. En tout cas, merci à vous, encore félicitations pour cette belle performance. Vous allez vite nous régaler de nouveau. Seb, merci pour ton sourire habituel. Merci à toi. Et puis merci aux équipes de Sport en France pour la réalisation. À très vite. Bonne soirée à tous.